Pour faire les 17 km de piste qui séparent Bekupak à l'entrée des Tsing, il nous faudra 1h30. Zafira, notre guide et la bande des 6, se dirigent vers le premier belvédère. Ceci nous permettra d'avoir une vue d'ensemble des grandes Tsing. Voilà, nous y sommes, c'est du grand spectacle, comme seule la nature sait en faire. Et nous sommes impatients d'y pénétrer. Nous dirons au revoir à Martine, Josette et Liane, qui ne nous suivront pas à l'intérieur des Tsing. Elles regagneront notre hôtel pour attendre patiemment au bord de la piscine leurs alpinistes de mari. À nous les Tsing, harnais, baudriers, cordes, nous sommes prêts à attaquer la montée. Petit spectacle vu du fond. Nous allons enfin pénétrer dans les Tsing. Petite difficulté du départ, claustrophobes, s'abstenir. La femme, c'est hier, déjà hier, la nuit. Bon, ici, c'est mieux que on enlève les sacs, hein. Il faut prendre la main. À la main. Mais attention, la tête et les dos ici. Certes, la découverte des grandes Tsing n'est pas de tout repos. Mais avec une bonne condition physique, en suivant scrupuleusement les recommandations de votre guide, de l'eau, un chapeau, une paire de lunettes, une bonne paire de chaussures, quelques fruits pour le petit coup de pompe de mi-parcours, la découverte des grandes Tsing est très faisable. La preuve, nous y sommes arrivés. Et maintenant, suivez le guide. Laissez-vous aller. Nous sentons bien petits au pied de ces immenses cathédrales de pierre. Plus nous approchons du sommet, au plus nous sommes émerveillés par le spectacle. Nous oublions toute fatigue.
Voilà, nous sommes arrivés au sommet, mais mieux que des paroles, regardez. Et voilà le fameux pont de singe qu'il nous faudra traverser. Plus de 30 degrés sur le sommet et un petit repos est bien nécessaire. Après un petit temps de pause, il est temps de reprendre le chemin du retour. Voilà le trou qui nous permettra de sortir des grandes signes après une petite pause bien méritée. Alors si vous n'avez pas de... Les signes, c'est super. C'est bien aussi quand ça s'arrête. 1h15, nous avons marché 3h15. Voilà. Nous sommes des Vazas. Vazabé. À quelle heure on a commencé? 10h. 10h, on était là-haut. Là. Ouais. On a commencé. Eh ouais, 3h15 quand même. 9h. Ouais, ouais. 9h, on est bien. Ouais, ouais. On c'est bien. On a fait plus que ce qu'on pensait. Ouais. Et on est. Bric, c'est on est fini. Enchanté dans les merveillés du spectacle. C'est du grand, grand, grand spectacle. Et notre guide a bien fait son travail. Ouais. Il nous a bien. Je sais pas. Hein. Pas toujours. Hein. non, superbe. Bouquet final, quelques lémuriens sifakars se font découvrir à l'orée de la forêt et se laisseront filmer pour notre plus grande joie. Au revoir les sifakars, au revoir les grands singes, nous repartons avec des souvenirs plein la tête. Si vous passez un jour par cet endroit magique, n'hésitez pas et pénétrez à l'intérieur des grands singes.
Souvenir, mandini yatara, pamene tombuntan.